Bon les gars, on est parti pour un petit tour de vélo. Je sais pas si c'est bien cadré parce que je l'avais enlevé mes réglages, du coup je sais pas trop, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ce sera bien. Voilà, voilà pour la petite première descente. Du coup, voilà pour la petite descente. On va. Maintenant, on va remonter un peu. On va remonter un peu et puis on verra où on va après. Je pense qu'aujourd'hui, on va se faire un petit tour tranquille, posé. Pas trop de descente, plus du VTT normal quoi. En mode tranquille, là on est mercredi. Je suis rentré des cours, je fais mes devoirs, il est 17h et je viens de sortir. Donc voilà quoi. Donc là on est parti quoi. En wheeling, est-ce que je pourrais lâcher une main là? Wow, stylé. Le jour je suis tombé et j'ai tordu ma patte de dérailleur, j'ai tordu ça aussi. Pas trop censé être tordu comme ça normalement, mais bon, sinon j'ai rien cassé d'autre. Je me suis juste niqué le coude et j'ai tapé la cuisse, du coup j'ai un peu mal, mais tranquille. Je m'arrêtais par là pour regarder si mon cadrage il est bien, puis voilà. Ok, du coup je viens de regarder, mes réglages ne sont pas mal du tout, donc on est reparti. Donc je vais vous couper la montée parce que c'est un peu inutile. Et puis voilà quoi. Bon les gars, on a fini la montée. Du coup là on repart sur un chemin, vous avez dû déjà le voir normalement. Du coup bah c'est parti quoi. Tout au frein, wheeling, tout au frein. Guette ça un peu. Bon allez, c'est parti. Mon avant est parti. Du coup bah on remonte et puis on redescendra tout à l'heure. Normalement ici vous connaissez, j'ai déjà fait des sorties. En ce moment j'en fais pas mal. Donc vous avez dû voir des sorties. Bah j'ai dû passer là dans une vidéo qui a dû sortir il y a même pas une semaine. Là il y a même pas deux semaines. Donc voilà quoi. Parce que c'est autour de chez moi, du coup je suis souvent sur les mêmes chemins. Mais là j'essaye de varier. Comme ça vous fait des vidéos un peu variées quoi. Parce que sinon, c'est un peu chiant de voir tout le temps les mêmes endroits. Wow. Voilà voilà, donc on se retrouve en haut. Voilà, du coup on est de retour. On a fini la montée, on est sur la route. Du coup voilà, petit wheeling. Posé. Bon, faites gaffe aux voitures quand même sur la route, c'est pas ouf de faire des wheeling. Faites pas comme moi. Et si vous le faites, bah faites vraiment gaffe aux voitures, tournez la tête derrière. Parce que bah ça peut être dangereux. Donc voilà, je préfère le dire quoi. Putain mais je m'arrête plus là. C'est abusé les wheelings maintenant. Je peux en faire pendant 5 km. Voire plus en fait. En fait je m'arrête pas. C'est quand il y a une voiture, ouais, il y a une voiture, du coup je m'arrête. Mais sinon, j'aurais continué. Donc voilà, on va remonter encore un peu. Et puis bah, ouais, je vous reprends quand on est en haut. Ça continue le wheeling. Bon les gars, je vais essayer de vous faire un petit truc stylé s'il n'y a pas une voiture qui arrive.
tient, ça tient, ça tient, ça tient plus. Je vais en refaire un petit, c'est quand même plutôt stylé quoi. Putain, une voiture. Ah non, c'est moi le tourne. Faites bien gaffe aux voitures quand même. C'est important pour survivre. Putain, j'y arrive pas. Ah. Bon, je vais vous en faire un dernier. Et après on y va, parce que lui, il me plaît pas. Faut que j'en fasse un mieux. Du coup, c'est parti, on va essayer. Voilà, et on repart. Bonjour. Voilà, c'est ça qui est stylé. On va essayer d'en faire un deuxième. Voilà. Il y avait une voiture derrière, donc je vais pas essayer de relever. Mais voilà, c'est ça qui est stylé. C'est ça qu'on veut. Tu te mets au point d'équilibre. Hop, tu le dépasses. Tu mets un tout petit coup de frein. Tu gardes un léger filet de frein. Et là, tu peux lâcher ta main. Et après, faut tenir l'équilibre avec le frein sans pédaler. Voilà, voilà, j'essaie de vous en refaire là. J'essaie de vous expliquer en le faisant. Ça part sur un tuto wheeling. Du coup, là, tu lèves, tu prends de la vitesse, tu dépasses le point d'équilibre. Non. Tu dépasses le point d'équilibre, hop, tu freines. Non. J'arrive pas à le faire en vous expliquant. Hop, tu freines, tu lâches. Et voilà. Bon, c'est un peu compliqué de le faire en vous expliquant, mais j'y suis vite fait arrivé. Bon, on va s'arrêter là, comme à chaque balade, pour observer la vue. C'est là que vous avez dû l'avoir pas mal de fois aussi. Voilà, voilà. Moi, je vais faire une petite pause. Toujours en wheeling, la team. Alors là, c'est chiant parce que la route, elle est penchée. Du coup, ça te fait dévier par le bas. Donc c'est un peu chiant. Faut se rattraper. Faut bouger son cul sur les côtés de la selle pour retourner. Et c'est assez chiant et fatigant. Donc on verra plus rien. Plus loin. Pour un autre wheeling. Vous voyez la route, elle est penchée comme ça, du coup ça fait partir là-bas. Je sais pas si vous voyez ma main, mais bon. Du coup voilà. Du coup c'est comme ça. Faut jouer avec son cul en le mettant plus d'un côté de la selle ou de l'autre. Et puis avec ses jambes aussi comme ça. En fait faut équilibrer le poids par rapport à où on veut tourner. Genre si tu veux tourner là-bas, tu mets ton poids à l'opposé. Voilà voilà. Je vous donne des petites techniques en même temps. Bon les gars, je vous montre la vue vite fait. Guettez-moi ça, comment c'est stylé. Du coup là ça repère, hein, ça va descendre. Alors est-ce que mon amorto est bloqué? Ça n'a pas l'air, il n'est pas bloqué. Est-ce que ma fourche est bloquée? Non, c'est parti. Calé là au point d'équilibre, je vais essayer de prendre ce virage. Oh, il est chaud. Wow. Sans pédaler en plus, je suis plutôt chaud. Allez, ça te perd. Wow. Je crois que là il y a une descente plutôt stylée. Je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que je suis pas passé. Oh, j'avais oublié ce virage. Oh, j'avais oublié le virage, putain. Heureusement que j'ai des bons freins, wesh. Bon les gars, ça va être la fin de la balade. Donc merci d'avoir regardé.
lâchez des pouces bleus et abonnez-vous. Hein. Voilà, donc à la prochaine, salut.